Allez, première demi-finale chez les 19-29 ans. Allez, des places accessibles bien évidemment pour aller en finale. Emmené par Lubin 80, le pilote de Bettini. C'est lui qui a pris tout de suite l'avantage avec Mathéo Boyer, le pilote des clés. Pour l'instant, lui en deuxième position. Il y a Thomas Bernerwatt, attention qui réalise un beau virage et qui vient chercher la deuxième place. Et il y a les pilotes voisins qui sont à la lutte, à l'attaque derrière les pilotes voisins avec Gabriel Lurien, Cédric Chevalier et Antoine Carfusan. Il y a trois pilotes pour une seule place qualificative. Et puisque devant, c'est toujours bien Lubin 80, le pilote de Bettini qui emmène le reste du peloton avec Mathéo Boyer, avec, pardon, la deuxième place, Cédric Chevalier, troisième place également pour Gabriel Urien, ses voisins contre deux, et quatrième place qualificative. Allez, voilà, c'est parti, dernière demi-finale dans la catégorie des 19-29. Alors là, il est très impressionnant, c'est un pilote élite, monsieur Chris Aldon, il est ici chez lui. Juste derrière lui, ça va être le club de voisins bretonneux. Oh là là, la chute! Il est tombé malheureusement. Et c'est un deuxième pilote de Montgeron qui prend la deuxième place avec monsieur Thomas Henry. Thomas est en première position. Voilà, toujours en première position, le pilote élite de Éclair Sous-Bois, monsieur Chris Aldon. Et en troisième position, ça va être Loïc Marty pour le club de Boutigny. Et c'est la plaque numéro 33 qui va prendre la quatrième place. Monsieur Steven Thierry pour le club de Voisins Bretonneux.